Salut tout simplement toi. Enfin plutôt bonjour, je vais pas faire une intro à apaisée. Salut tous à tous, c'est Tai. Aujourd'hui on se retrouve sur The Witcher 3. On va faire quelques parties de Gwent. Ah, donc alors attention, je sais mon jeu ira à ma mort. Je joue à 20 FPS. De base je joue à 30. À 30 voire 40. Le problème c'est que vu que j'ai le processeur qui pas qui bon ça nie trop que ça peut peut-être aussi la carte graphique qui est pas si puissante. J'ai dit mon jeu à... j'ai mis les textures en élevé et j'ai mis le reste en moyen. Ah, donc du coup je vais d'abord rendre une quête. Après, on va faire des parties de Gwent. Donc j'espère qu'il y aura pas... J'espère qu'il y aura pas de... de bruit de fond. Du Mongo. Ah, je vous aurais bien fait des quêtes secondaires avec vous. Le problème, c'est que j'ai mon jeu, c'est pas. À 20 FPS, ça va être chiant pour moi comme pour vous. J'espère qu'il fait du Gwent. Nickel, il en fait. Ouais. Bon, donc le oui. Déjà le sera moi, hein. T'as vu les ressources. Alors moi je joue les royaumes du nord, Fall Test. Alors cette carte là, vous allez vous dire c'est quoi ça. Alors celle-là, c'est une carte qu'on trouve dans le DLC, Heart of Stone. On la trouve dès qu'on va au mariage avec Shani, si, pour ce qui vaut à peu près. On la trouve dès qu'on monte dans la grange. On la trouve à terre. J'ai ramassé la carte, j'ai fait. Bon, c'est marrant. Alors, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur celle-là au Gwent. Alors, vous allez voir. Si on tombe sur elle. Ah, est-ce que je l'ai. Pas tombé. Bon, alors déjà, alors. Bon, c'est le Scoyatel, ça. J'enlève ça. Garde. Ah, j'enlève toutes les cartes qui sont inutiles. Ah, j'aurais dû garder. Bon, en gros, la carte avec la vache, c'est. Elle va aller là. Elle va faire. Elle va rien faire dès que vous la poserez. Par contre, au prochain tour, il y aura un fielo, il me semble, qui fait 8 de dégâts ici. Et ça, c'est marrant. D'accord. Si tu veux. D'accord, attention, je ne suis pas un pro de Gwent. Hein, je tiens à le préciser. J'ai ma méthode de jouer. Pas chanter, je vais pas le faire, je me rends. Ouais, je risque de perdre. Je vais faire ça. Pour l'instant, je vais le jouer un peu sobre. Chaud.
y aller. Ouais, si je mets ça, ça va à rien du tout. Pas de ça. Ah, bon, on est sûr. J'assure ce tour. Oh, très spécial, c'est bien ça. On le fout direct. Aïe. C'est une elfe ça. Elle est pire proche que parfait d'une rebelle. Attends, elle joue les elfes, on s'en va. Enfin, les squelettes. Alors, on tire une carte supplémentaire, d'accord. Je vais te sauver. Ça sert à rien du tout parce que c'est parce que les cartes en or sont pas affectées, mais au moins. On va mettre ça comme ça. Il y a moyen que je le gagne, franchement. Il y a moyen que je gagne. Ah, j'ai gagné. Ah, ça va finir sur une égalité. Ah non, même pas. C'est mort. Il y a l'abîme. Voilà pourquoi je joue le royaume du Nord. Hop, salut. Et voilà. Et voilà, j'ai gagné. Oui. Mangono vermoulu. C'est sûrement une carte squelettelle. Ah bah, non, on va aller. Alors je vous préviens, j'ai fini le jeu deux fois. Donc Ah, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je me dis. Ici, je sais pas si c'est quelqu'un qui peut m'affronter, donc on va aller. Peut-être que lui, il voudra bien m'affronter. Hop là. Bon, on va faire. Peut-être 3 voire 4 parties de Gwent. J'entends la vidéo quand même assez correcte. Oula, ça rame. Oula. Encore genre mon jeu, je le jouerai à 30 FPS. J'aurais bien fait d'autres vidéos dessus. Parce que pour le jeu de boss, je le joue à 30-40 FPS. Donc ça m'aurait pas dérangé. Alors, mais j'y garde toujours l'armure de base. Bon, en l'occurrence, c'est pas l'armure de base parce que là vous remarquerez. Genre là, ici, c'est pas gris, c'est noir. Sauf que celle-là, c'est l'armure du. Je vous le dis tout de suite. Mais elle ressemble à l'armure de base, sauf que celle-là, elle est plus. Elle est plus évoluée. Ah, de l'école de la vipère. Ah, pour moi, c'est la même que celle du loup, sauf que là, c'est noir. Vu que moi encore, pour faire, c'est noir, j'ai pas dit non. Et vu qu'en plus, elle a plus de. Ah, à côté, j'ai ça, oh là. D'ailleurs. Comme le Lennon, si vous connaissez. Je fais une collection d'épées rares. Tout ce qui est armure. Hop là. Ça c'est là. Et il y aura aussi. Hop là. Ah, mon inventaire, il y aura plus tout ça comme ça. Ça vous dire à quoi ça sert. Ah, du tout, c'est la collection. Collection, mesdames et messieurs. Puis bon, vous allez me dire, mais oui, mais des pièces d'or. 1172 en plus niveau 69. Que demande le peuple. En bref, bon. Ici.
ces articles, on va les voir vite aussi, trop mieux. Ah oui, je joue clavier souris. Hein. Ah mais il y a des cartes de Gwent. Bon. 1100, ça fait beaucoup, je vais en prendre tac. De l'argent tout le monde dépensé, hein. Du poulet, je prends. Des ravioles, je prends aussi. Du pain, je prends. Vous allez me dire à quoi ça sert? Ah, rien du tout. J'ai de l'argent, je le prends. Puis bon, c'est comme ça. Ça me rend des PV au moins. Putain, ça a l'air super bon ça. Ah, j'ai déjà plus de sous. Hein. Écoute, c'est pas grave. Élémentaire de terre, je prends. Putain, Eredine. Putain, je prends. Terre brûlée, j'ai déjà cette carte, je le prends. Putain, couvain. Oh. Ah, c'est chaud ça. Bon. Hop là. Un jour, carte. Pièce. Ah ouais. Ah, nickel. Bon, je peux pas en avoir deux parce que j'ai déjà 10 cartes spéciales. Je peux pas en rajouter une deuxième. Quoique. Ça compte pas comme une carte spéciale. En 2D. Bon, qu'est-ce que j'ai en carte spéciale qui m'est inutile? Rien du tout. Counter en demeuré. Et j'ai toujours pas compris qu'est-ce que c'était Counter en demeuré pour finir. Ce qui vaut c'est qui. Pour les autres, je ne dirai rien. Bon. Il y a une carte inutile. Celle-là, il y en a une autre. Oh, le pluie. Je gagne un football de plus. Oh, ce sera mieux. Deux terres brûlées. Ah. Ouais, donc je disais, je joue club souhait parce qu'en fait, dans le déjà des Aventures 1, j'avais eu une manette. Enfin, j'avais une manette. Le problème c'est que ma manette n'était pas reconnue et c'était pas une manette d'Xbox à l'époque que j'avais, c'était une manette spécialement conçue pour le PC. Bon, elle me coûtait 6€, je me suis dit bon, vu que j'avais pas de manette d'Xbox, du moins valable, à l'époque, maintenant j'en ai une, 25 mois comme ça fait cher. Ouais, je lance en même temps. Du coup je me suis dit, bah, je joue au clavier souris. De bruit, ça me sert à rien du tout. Oh, il y a encore une tour de barre, c'est ça. Oh putain, j'ai que des cartes spéciales, c'est ça. J'ai un bon jeu. C'est juste la charge de coup qui me servait à rien du tout. Je suis tenté, non, ça je vais le laisser. Peut-être bouillir à peine, trop. Ouais, et donc ouais, et du coup j'ai commencé à jouer en clavier sur Red Dead 1. Du coup au deuxième, bah, j'ai fait de même et au 3 pareil. J'ai tenté de jouer à la manette et j'ai pas réussi à jouer. Je trouvais des... Ah, pour moi c'était infâme. Moi j'arrive pas. Au moins avec l'arbalète, j'ai déjà une bonne vision de moi. Bon. On te dira à la fin. Y'a rien qui m'empêchait de finir les trois jeux. Dans le troisième, de le finir deux fois. Tout ça. Tranquillou. Je pourrais pas vous faire montrer mon skill, malheureusement. Mais bon. Par contre, un truc avec Triss que j'ai remarqué qui me fait chier, c'est ça. Sa coupe de cheveux. Autant dans le 2. Je comprends qu'elle fait ça, c'est pour pas qu'il y a ses cheveux qui est. Hein. Moi, avec ses cheveux longs, elle était largement meilleure, je suis désolé. Bon, qu'est-ce que je peux foutre? Ça, je laisse. Pourquoi ça, je sais pas ce que c'est. Hein. On dirait un ours. J'ai l'impression que c'est. Les yeux, le museau.
Les dents. C'est pas le reste. Tu veux t'as tué les champs, c'est la terre de leur gestion qui a moyen de subsister. Bon, est-ce que je le garde ce pot? Non, je le garde. Alors, on va balancer. Ouais, je vais remontrer déjà là que j'ai découillé. Il y a le croquet de lui. Pas le Karan. Le Karan, c'est facile, prenez votre meilleure épée, vendez-le et engagez un sorceleur. Ça, faut toujours aller devoir aller les commentaires comme ça, il faut marrer. C'est quoi? Un peu de dignité, tu sais comment ça va se terminer. Double de la force de vos unités, d'accord, c'est le même que le mien. Tu vas me juste, il faut autant de gars. Au moral de l'ennemi, Casimirai. C'était un bro full test. C'était. J'aurais dû avoir un... Comment ça s'appelle? Oh putain. Bon. Mais comme ça verra rien, je le cloque. Je vais durer comme ça lui. Passe ouais, il m'a niqué. Bah il m'a niqué. Ah mais c'est de la merde aussi ça. Oh putain mais ça va putain. Bon bah bah j'ai pas de chou. Oh tant pis. S'il te plaît monsieur, tu veux te rendre? Donc, je dirais le truc. Ouais, j'ai bien fait. Mais je suis mort. Hein. Peut-être une carte. Yes. C'est de la merde, mais tant pis. On fait Vox Squad. Ouais, je suis mort. Adieu. Qui sait ce qui peut se passer? Il va falloir que j'arrête d'aspirer des trucs. Oh là, mais quelle fin ça! Tant pis. Ah, je t'en fous. Mal de deux. Bon, j'ai perdu. Il va me dépouiller cet enfoiré. Rends-moi mes sous. Et tu sais, j'en fais jamais une partie de l'eau. Enfin, de carte utile. Ça me sert à rien du tout. Yes, putain, c'est pour ça. Hop là, on commence fort. C'est que ça? Ah oui. Que je fais crier le mage effrayé par sa propre création. On se débarrasser d'aller monter en prenant ses jambes en son cou. Alors oui, là c'est les petits commentaires comme ça fait marrer. Tu tires où tu pointes. Plus un au moral, mais 3 à lui. Ah, moi 3 à lui. C'est le collier, c'est qu'il aura l'outil de la putréfaction des cours. De
est aimable, hein? Court, délicieux, il était grand, fort et autre chose pour beau. Peut-être pas beau, mais. En tout cas, il y avait une belle barbe. Si tu crois l'histoire, c'est cette très histoire. Dès l'instant où quelqu'un a commencé à y croire. Mais j'y sais rien d'ailleurs, c'est ça. Bon, qui je vais jouer alors? Je fous de ça. Il est con. Moi, il y aura ça de moi. À la prochaine manche. Ah, non, mais les monstres, c'est trop pété. Quoique, je peux toujours tenter de l'avoir. Si je mets mon gel, je peux toujours cliquer mon gel. Bon, on tente. On tente le diable, franchement. Là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il va tomber à 12 points. 12 plus 6, 18. Je serai en position de. Je gagnerai. On tente. Ah oui, il a 30. Si je mets 10, ça suffira pas. On met 15. Hop, moi je gagnais. Oh bah nickel, j'ai gagné à fond. Ah non, je suis con, putain, j'aurais peut-être pas dû cliquer. Putain, quel con, j'aurais dû cliquer ça. Qu'est-ce que ça me sert ça? Qu'est-ce que je vais en foutre là? Con. Ah, c'est que ça veut dire qu'il a plus de cartes. Claquer lui. On tente. J'ai gagné. Pas de bol. Voilà. Pas mal. C'est bien rapide. Et on va partir. Ah. Un dernier. Qui je pourrais combattre? J'ai déjà tué tout à l'heure. Il y a un monstre. À tous les coups. Ici, c'est pas la peine. C'est le cas qui fait chier son monde. Bon, on tente ici. Parce que qui tente rien ne va pas coping. Allez, moi, c'est de vue, sérieux. Alors vous aurez remarqué que j'ai rajouté quelques modes. C'est l'anniversaire de la petite lampe. Rien qu'au niveau du visage de Geralt. On le voit. J'ai trop largement ouvert comme ça. Là il y a vraiment un sorceleur. La peau pâle. Les sourcils blancs. Tout vraiment blanc. Même ses yeux. Je suis pour ça je préfère comme ça. Enfin bref. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est des chutes. Surveille décoration. Ah, salut. Ah voilà. Bon, je l'ai déjà affronté, mais tant pis. Hop. C'est parti pour la dernière. Alors. Le royaume du Nord.
quel jeu ça, c'est bien ça. J'ai pas de carte spéciale par contre, à part celle-là. Je vais enlever celle-là. Ça ira. Alors, on va commencer comme il faut. Nickel. Bah. Ah bah. J'ai pas l'air cool là. Bon, on va profiter de ça. Alors, l'enfoiré. Toxique. J'ai deux d'extra. Bon, en fait, je me dis, j'aurais peut-être dû. Ça serait bien d'avoir quelqu'un qui puisse ressusciter. Genre une sorte d'humidité, là, quoi. Nickel. Hop là. Allez, une sorte d'humidité. Ah oui, une deuxième. On t'en peut toujours. Toujours temporisé. Mais non, mais attends, c'est la merde ça par contre. Putain, j'ai niché l'ennemi. Hein. Putain, c'est quoi? Oh putain, je suis mort. D'accord. Du coup, je sais pas pourquoi il y a mes terres qui m'ont brûlé mes terres à moi. Bah nickel, je vais pouvoir vous faire montrer c'est quoi. Sans garde, sans garde, sans. On enlève. Bon. Ah, si, c'est mieux. Ah ouais, ouais quoi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est marrant. Je suis tenté de passer mon tour. On va faire ça. Regardez ça. C'était me la dehors. Force défense bovine. 8 points. Ah là, ce qu'elle s'est transformée en somme vache. Il y a des surprises, cet enfoiré. Après, ça allait quand même être assez marrant à mettre en jeu ça. Genre, avec un rejet de Gwent.
Sous-en. Pour l'humilier encore plus. Et voilà. J'ai gagné. Bon voilà, nickel. Bon. On va quand même se finir. Finir ça. Qu'on attendez d'abord, j'ai trouvé d'aller voir un truc. Avant de quoi? Avant de conclure. On va aller voir Ceris. Est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle est de l'eau? De la rencontrer. Attention. Attention, attention. Ouais. Bon. On saute au bout. Bon, on saute. Il y a mon PC qui va cramer, sérieux. Ah, il y a une petite remontée 20 FPS. On gravit des échelons. Bon. Puis on va finir sur ça. Allez, allez. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est sur ça qu'on va finir. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Sur ce.